Falcon 360. Hello, ici Falcon 360 et je vous invite tout de suite à suivre le son mélodieux de ma voix. J'ai peur des liens bizarres. Non, mais écoutez juste le son mélodieux de ma voix guérie, ma voix que j'ai retrouvée, ma voix. Je ne suis plus un zombie, voilà, tout va bien. Ah, voilà. Donc, je suis guérie, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et nous sommes donc sur Castlevania Lords of Shadow 2. Voilà, oh, permettez-moi juste un allumage d'ampoule. Voilà, parfait, une ampoule. Pour que j'arrive à y voir clair dans mon donjon. Voilà, mon donjon qui est ma chambre, d'ailleurs. Donc voilà, donc nous sommes ici pour l'épisode 15 de ce let's play qui commence à prendre un petit peu de temps. J'espère quand même qu'on est bientôt à la fin parce que ça commence à faire 15 épisodes, tout simplement. Ça commence à faire juste un tout petit peu longtemps. Donc la dernière fois, avec les cœurs qui chantent, la dernière fois, on avait battu Carmilla, c'était une vampire aussi. J'en sais rien. Est-ce que c'était une vampire? Je ne me souviens plus. Quoi qu'il en soit, on avait visé la bouche, voilà, et on l'avait... Enfin, Dracula l'avait abattu d'un pic dans la bouche. Donc voilà, on va peut-être commencer, parce que j'arrête pas de parler. On va appuyer sur la touche, voilà, touche start. On accepte. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Parce que j'avais pas eu d'instruction spéciale. J'ai défaité Carmilla. Marie n'est pas là. But she can't be far away. Voilà. Donc apparemment, je dois retrouver Marie. Enfin, c'est ce qu'on peut comprendre quand il nous dit ça. Donc on doit retrouver Marie. Donc Marie qui est la femme qui est censée être morte. La femme de Gabriel. Donc de Dracula. De notre actuel Dracula. Ok. Entre deux Carmilla. Très bien. Donc ici, on avait visé la bouche juste là. Ah oui, il y a encore le truc d'ailleurs. Il y a encore le truc. Ça m'avait fait rire ce truc. Quand tu veux tuer un méchant, une femme en plus, c'est une allusion sexuelle pas possible ce truc. Non mais vraiment. Réfléchissez quand même, non? Vous trouvez pas? Ah quand même. En plus, c'est le personnage japonais par excellence, quoi. J'essaie d'avancer un peu plus vite, même si j'avoue que ça casse un tout petit peu le charme du décor. D'ailleurs, j'ai le même décor chez moi. Hein. Il pleut, des trombes, et il y a de l'orage. Ça ira parfaitement, et ça fera un petit son d'ambiance absolument parfait. Donc, où dois-je aller? Ça se trouve, c'était pas par là. Hein. Ça se trouve. Je sais rien. Ah, je peux boire le sang de la statue. Oh, cool. Bon, ça va me rendre le peu de vie que j'avais perdu. Donc je ne pense pas que c'était par là. Et aussi, on avait eu le pouvoir de se transformer en brume. Ah oui, on n'avance pas vite. D'accord. Et ça a un temps limité de combien, ce truc-là? Ça doit être limité. Oui, c'est limité. D'accord. Donc ça a quand même un certain temps. J'ai un battement avant de me retransformer en humain. C'est plutôt très cool. Et... ouais, non, d'accord. C'est... en fait, je vois que la jauge se remplit là-bas, en haut à gauche. Donc je pense que c'est le temps que j'ai... ah oui d'accord, la transformation par contre me coûte bien plus cher. D'accord. Très bien. Donc n'empêche que où est-ce que je dois aller? Parce que tout ça, ça ne me dit rien non plus. D'accord, donc je pense tout simplement que j'ai... oui, bah oui. Mon personnage était là-bas la dernière fois donc... bon, génial. Je ne sais plus me retrouver. Oh. Bon. On y va, on avance, du coup on doit retrouver Marie, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où elle est partie, je ne sais pas qui l'a pris non plus. Elle est partie avec ses petites jambes ou on l'a enlevée? Alors, où est-ce? Juste par là? Non, on peut pas l'ouvrir. Ah si, ça, ah, d'accord. Donc c'est vraiment et véritablement le loup qui nous fait nous transporter dans la morne et froide réalité. Donc là, c'est là où il y avait eu Trevor. Ah oui! Ah mais oui!
Mais oui, mais du coup, mais oui, mais bien sûr. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Et du coup... Oh, 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 c'est trop bien. Ah, j'adore cette mécanique de jeu. C'est très cool. Hop, on récupère toute sa mana, même les deux barres, même si on a plus. J'avais plus du tout de KO, d'ailleurs. C'est ce qui m'avait servi à la battre la dernière fois. Dans l'épisode 14 bis, hein, j'en avais eu besoin. Hein, parce que je me suis dit que si je reprenais le combat entre deux, ça allait pas le faire. Enfin, si je reprenais le combat après, ça allait pas sauvegarder comme j'avais fait ou quoi, donc j'ai préféré continuer. Mais j'ai pas regretté du tout. Et donc là, ça va m'emmener dans... Oh, vous êtes sûr... Non, par contre, il y a des moments, les mouvements sont un peu pétés quand même. Hein. Faut quand même pas abuser. Donc là, c'est les rats, donc on ne peut pas passer en rat. On peut passer en rat, c'est où? C'est juste là, d'accord. Je voyais pas le coin, hein, tout simplement. Ils sont marrants, les rats. Petit rat complètement diabolique, hein, vous remarquez. Ils ont des dents. Quelques kilomètres de long. 50 points, merci. D'accord, donc il y a une grille par le bas ici, mais là il y a des points là-bas. Encore des points. On dirait une route où il y a de la nourriture. Hop, et là il y a du... J'ai vu du bonus, voilà, ici. Bon, c'est offert, ça. Oh, génial. Mais c'est un peu bizarre, quand même. Comment c'est fait? Enfin, je veux dire, c'est peut-être pour ceux qui voudraient rusher. Qui auraient pas vu les points, etc. Un nouveau Clédos. Le quatrième, donc. Et là... Ah, et là, c'est bon. D'accord, donc il y a des nouveaux défis Clédos. Et il me semble que ces défis Clédos sont chez Chupacabras. Chupacabra, je sais toujours pas comment on le dit, hein, comment on prononce ce nom. Du coup, ben, on peut pas passer comme on peut voir sur la mini-carte. Du coup, on passe là-bas. Tac, tac, tac. Parfait. Juste là. On descend. Là, il y a encore des points. On peut pas passer autre part de toute façon. Donc c'est par ici. Et il nous faut une route avec des points. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sors d'un combat, c'est bien, t'es récompensé? Ou tu vas dans un combat et... j'ai peur. J'avoue... Oh, un atome, j'avoue avoir peur. Ah, celui-là, je l'avais remarqué à un moment, il me semble. On serait pas... On est encore dans Biokimek, c'est ça? Mais ce serait que du bonus, ici, du coup. Ah, du néant, ça va me l'augmenter, du coup. Ouais, cool. Cool. Ça, c'est pas mal du tout. Mais j'aimerais bien voir... Non, on n'est pas du tout à Biokimek. Donc... Attends, comment on voit la map là-dessus? Ok, donc il fallait tout simplement passer par là. C'est tout. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, c'était clairement pas ça. Si? Non? Si? J'avoue ne pas savoir en fait, mais ça m'étonnerait qu'on soit allé. D'accord, donc on n'a pas le choix, on doit sauter par là. C'est cool. Génial. Donc, ça serait bizarre quand même que ce soit que du bonus par là. Ce serait bizarre quand même. Ça voudrait dire que j'aurais fait la route du bonus. Non. Bah, c'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. C'est beaucoup trop bizarre. Non, non, clairement, c'est pas par là. Non ? Et j'hésite avec leur truc, là. Hein ? Leur truc est con. Non, c'est pas là-bas. Je dis que c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Crotte, hein, voilà. C'est là-bas. Pouvoir de brume. Hein ? Pouvoir de brume. Voilà. Hop. On récupère une deuxième barre. Ça sert à rien, fait que de toute façon, il n'y a pas de combat. Ou alors pour le lol du combat, hop, allez, c'était, hop, voilà, combat, 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 voilà, génial. Vous en aurez eu comme ça, hein, juste un tout petit peu en intro du combat, enfin en intro, intro de 10 minutes. Hop là. Du coup, on refait le chemin, avec la brume. Je trouve que ce mouvement est quand même un tout petit peu pété, quoi, je pense pas qu'on puisse faire ça.
Je les aime pas, eux. Oh. Désamorcé. Je t'ai eu. Je ne sais pas viser non plus. Ou alors, fallait peut-être passer en brume. C'est possible, mais là, j'ai pété la... Ah oui, non, d'accord, ça donne un laps de temps. Mais je n'étais pas passé par ici tout à l'heure? Ah non, j'étais peut-être passé en rat. Donc oui, j'ai bien fait le chemin du bonus. Bah, c'était plutôt génial, en fait. Merci Konami, quoi. Hop, je passe merci. Alors, j'espère juste qu'il fallait passer par là, parce que... J'entends des choses sur Reset, elles sont où? Juste là, c'est ça? Elles sont où? Elles sont nombreuses, hein, parce qu'elles me cassent les oreilles. Mais vous êtes où? Déjà là en bas. Là en bas, ça ressemble à une arène. C'est suspect. Très suspect. Mais elles sont où? Ça se trouve, vous les voyez, hein, mais moi, je ne les vois absolument pas. Je vois pas un mouvement de chauve-souris spécial. Elles sont là-bas? C'est elles, là-bas? C'est elles, là-bas, qui font un barouf pareil? Oh, pff. Dieu, que je les aime pas, eux. Ah non, ils sont trois, et en plus, ils ont des bombes. Donc, je vais devoir jouer avec mon pouvoir de... Oh. J'avoue que ça fait déjà un certain temps que j'ai pas joué à ce jeu, donc au niveau de leurs attaques, etc., c'est pas forcément très évident pour moi. D'accord, est-ce que les mines sont infinies? Dans le sens infini du terme. Pas du tout ce que je voulais faire, ma main arrivée. Il n'est pas humain. Non, il n'est pas humain, il est prince des ténèbres, du genre, tu vois. Ah, si. Attendez. Parce que j'avais vu. Compétence. Alors, tout à l'heure, il m'a dit que je pouvais avoir un truc de compétence. Et c'était... Il me semble celle-ci. Entraîneront les ennemis volants vers le bas. Alors, vous savez quoi? Juste pour eux, pour ces petits enfants-là, je vais acheter ce truc. Donc, en l'air, je maintiens Y. Et c'est bon, d'accord? Ouais, j'ai acheté ça. Je l'avais vu pendant que je cherchais des compétences la dernière fois. Et pourquoi ça vous explose pas à la tronche, vos trucs, là? Hein? J'aurai pas assez de KO bientôt, moi. Par contre, viens là, parce que j'ai besoin de vie, du coup. J'ai pas intérêt à me rater quand je les tue, ceux-là, par contre. Ah, tiens, une nouvelle manière de les tuer. On va voir comment ça marche. Ah, ça va pas marcher, tout simplement. Ouais, génial. Parfait. Et lui, du coup... Là, Tac, tiens, toi tu meurs. Voilà. Vous voyez, cette attaque est géniale. Elle permet de l'aggro, elle focus juste un ennemi. Et c'est juste ce qu'il faut pour qu'il meure. Non, non. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde. Mon dieu. Des points. Toujours à prendre des points. Viens ici. Et voilà. Et là, il va mourir dans notre souffrance. Voilà. Là, tu meurs, quel signe. Hop, voilà, parfait. Et donc, qu'est-ce que je gagne? Une larme de sein, ce qui n'est pas de refus. Donc. C'est tout? Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais enfin, quand même... Vous m'avez mis tous ces ennemis dans la tronche pour rien? Oh, sérieux.
Au final, il protégeait rien de spécial ou quoi. Il marquait quoi sur le panneau? Vince Brunner. J'avoue que je sais pas ce que ça veut bien vouloir dire. C'est ce que ça peut bien vouloir dire, voilà, c'est ça. J'ai perdu ma formulation de phrase, là, c'est... De pire en pire, c'est de pire en pire. Vous me direz c'est de pire en pire dans la vie, mais c'est de mieux en mieux pour YouTube, hein, vous voyez le... il me dit d'aller par ici. Seulement, comment veux-tu que j'aille par ici? Peut-être activer le ventilo qui est juste ici. Ah non, que je passe en dessous. D'accord. Très bien, je pensais qu'il fallait monter, mais non, il fallait descendre. Donc, on active le courant. Voilà. C'est pas à moi de faire ça quand même, hein. J'avais demandé à Gisèle de le faire tout à l'heure. Elle est où? Je balance des références, là, en fait, depuis tout à l'heure. Il faut que j'arrête ça tout de suite. On dirait un placement de produit, c'est n'importe quoi. Ah, donc, place de la victoire. Permettez, pendant ce gameplay unique de caméra d'ascenseur, que je bois un chocolat chaud. Donc il m'a bien mis en évidence l'atome. Mais moi, je voudrais voir ce qu'il y a autour. Donc là, il y a du courant, une caisse, des trucs. Ouais, des fois qu'il y a des points dans les caisses, écoutez, ça se tente. Hop, on rétablit le courant. Il y a des monstres en putréfaction quelque part. Ils sont où ces monstres? Là-bas, il y a l'atome, on l'a bien vu. Il est là. Ah, meurs, chien. Je t'avais pas vu. Tiens, t'as balancé une grenade au pied de ton ami, toi. C'est malin. Et elle va m'exploser dessus, très bien. Alors... Depuis quand il balance des trucs? Ok, j'ai plus de skill du tout. Alors, aïe aïe, ça c'est pas legit par contre. Aïe aïe, j'ai dit. Mais... Oh, fuck this shit. Tiens, rends-moi de la vie, toi. Mais... Mais vous êtes sérieux? Bon, vas-y, viens. Tiens, voilà, vas-y, fais-toi péter. Pas de problème. Hop là. Voilà. Bon, il y en a un de mort. Ceux-là, ils sont très simples, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Mais... Ouf. C'est moche, hein. C'est moche. J'ai réussi à récupérer un tout petit peu de skill, du genre petit peu, hein, par contre. Hop, ça j'en ai plus. Permettez une micro-pause pour que j'aille voir mes compétences, que j'aille voir mes compétences, y a pas de problème. Ok, bon. Alors, j'ai revu mes compétences, donc je devrais pouvoir me battre convenablement maintenant, c'est promis. C'est promis. Donc j'ai re-regardé tout ce que j'avais gagné, etc. Y aurait-il deux atomes? Ou j'ai rêvé? Non, non, il n'y en a qu'un. Ici, en tout cas. Voilà. Lequel ce sera du néant? D'accord, ça m'en fait regagner, je suis tout aussi contente. Par contre, j'aimerais bien regagner un peu de vie. Parce que mine de rien, la vie, c'est plutôt utile, hein.
Du coup, par où puis-je passer? Par ici, en utilisant le pouvoir de brume. Assez essentiel quand on regarde, il y a beaucoup de grilles où on pouvait pas passer avant. Ne serait-ce que pour des atomes ou quoi. Ah, vous êtes encore là, vous. Ok, c'est parti, bon. Déjà, on peut tenter un truc. À ce niveau-là. Ah, ok, bon, ça marche, mais il y a des limites. Aïe, oh, ok. Oh, exterminé. Efficace, très efficace, et une écaille de dragon en plus. Du coup, vaut mieux casser ces trucs-là. Y en aurait-il des autres? Il me semblait que j'entendais d'autres bruits de monstres qui mangent, mais... Ouais, j'en entends des autres, c'est bizarre. Par la mêlée, c'est l'ascenseur. Il n'y a pas un autre... Il n'y a pas un autre truc. Là-bas, il y a un atome en plus. Il n'y a rien d'autre à voir. Non, 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 bah, il semblerait que ce soit tout. Bon, on va la refaire, genre, du coup. Bon. Quoi? Oh, bon. C'est quoi ce game plus fort? Aïe. Bon, ok, ça va. Ça va, c'est bon. J'ai pas dit que c'était foireux, d'accord, tout va bien. Ah, il m'a repoussé. Il m'a repoussé, le FDP. Bon. Vous êtes sûr... C'est mort. Vous battez pas contre moi à 4, hein. C'est sérieux. Je peux les avoir à travers la grille. Oh, c'est pété. Ah, c'est quoi ce gameplay? Ah non, mais là c'était définitivement foireux, quoi. Ah non, mais là c'est mort, quoi. Venez vous battre. Mais... Saleté. Bon, venez au moins vous battre dans un lieu décent, s'il vous plaît. Ici, c'est pas mal. Allez, venez. Et au suivant. D'accord, bon, il a tué son pote avec. Aïe. Non, il va me... Alors toi par contre tu vas mourir parce que tu commences sérieusement à m'agacer et il y en a d'autres qui sont réapparus. Purée, c'est foireux ce truc. Caméraman de génie, toujours. Ah non, mes points ont disparu du coup. Oh, je suis déçue. Alors là je suis très déçue. Par contre c'est mort, je les affronte pas ceux là-bas. Hein. Si j'arrive à les esquiver, je les esquive pas. Oh, ok ok ok, j'arrive pas. Bon d'accord, je suis équipé de l'épée. Mais Hop là, salut. Je ne vous combats pas parce que votre gameplay est complètement foireux, vous réapparaissez à chaque fois. Oh purée, t'es sérieux. T'es sérieux, mais je l'ai rallumé. Je l'ai rallumé le truc. Oh. Ah, fuck. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Thanks. Ok, j'ai... Est-ce que si je vais faire un test, c'est foireux? Ok, ça marche. Peu importe le sens. Parfait. Voilà. Bon. Mais de toute façon, je vais aller rallumer l'ascenseur et ils seront encore là. Donc.
Oh, c'est insupportable ces trucs. C'est insupportable. Mais ça me fait gagner des points. Voilà, je suis remontée à 3000 alors que j'ai pris une compétence. Moi, ça me va tout autant, hein. J'avoue que c'est pas trop mal non plus. Mais je l'avais rallumé tout à l'heure ce truc-là, moi. Regarde. Quoi, rétablir le courant, mais ça marche plus, là. C'était vert avant. Et moi, ça. Comment ça, ça marche? Aidez-moi, là, c'est pas possible. Ça va marcher. Ok, mes déplacements me font vomir, c'est génial. Oh, ils sont plus là. Oh, la magie. Magie du démon. Et là, du coup... Ah bah là, ça marche, alors que c'était rouge. Pourquoi ça marche quand c'est rouge? Je ne comprends plus. Je comprends plus rien. Instant boisson. Meilleure musique du monde, quand même. Ok, salut. Pourquoi il me fait des angles de caméra pas possible celui-là? Alors, laissez-moi prendre ça parce qu'on aime bien les documents par ici, d'accord? Voilà, laissez-moi tranquille. Meurs. Enfant de ça. Tac, hop là, laisse-moi tranquille toi. Ah, ça par contre, c'était stylé. Ouh, le bon moment. En fait, j'aimerais bien essayer un truc. Voilà. C'était juste, je voulais caler cette technique. Qu'est-ce que ceci? Attends, mais comment on fait déjà ces... Voilà. Le Soda Store. Débloque de... Ah oui, ça, c'était un truc pété. Est-ce que j'ai mon dragon en entier? Ouais, apparemment, oui. Je l'ai. Quoique... Non, je pense pas l'avoir. Sinon, je pense que ce serait en plus brillant que ça. Mais c'est pas grave, du coup... Où est-ce que je dois passer, maintenant? Pas par là, à première vue, génial. Pas par ici non plus, c'est vide. Par là? En brume? Ah mais non, je vais redescendre. Toute logique, c'est pas ça. Surtout qu'il me dit, avec la petite flèche, d'aller dans ce sens-là. Oui, non, d'accord, c'est un autre, ça doit être en haut, et tu descends. Bon, bah on va tenter la seule option qui nous reste, hein? La brume. BMD, donc là, hop, tac, oui. Et donc là, non, j'ai jamais vu cet endroit, donc normalement, ça doit être bon. J'espère en tout cas, parce que sinon, ça m'aurait fait redescendre pour rien. Il n'y a pas un atome caché par là? Ça peut se faire. Non, il n'y en a pas. Oh, ça aurait pu. Ça aurait pu. Non, où est-ce que je passe? Là-bas. Par contre, là, il y a beaucoup de trucs et c'est des points potentiels. Donc, on va tout casser. Des fois, il y en a hein, des points. Faut pas croire, mais. Tac. Sans blague, il n'y avait pas la lumière allumée. Donc là, je dois tout redescendre. C'est ça? Si c'est ça, juste... Ça va pas le faire du tout. Je peux pas passer par là. Attends, en regardant le décor, le seul moyen d'activer l'électricité, c'est tout en bas. Seulement, si je vais tout en bas, j'ai un ascenseur sur deux qui marche. Ah, parce que là, tout à l'heure, quand c'était vert, il voulait pas le truc, hein, on est d'accord. Et là, quand c'est rouge, c'est celui-là qui veut pas. Il y a deux trucs.
Je crois que je suis juste pas doué. On va aller voir. Attention, est-ce que Falcon est juste absolument pas doué? Sans doute vrai, hein, ça doit être ça. Regardez, là-bas c'est vert. Oh non, je comprends plus rien. Attendez, est-ce qu'il y a deux locaux? Ou est-ce que je deviens folle? Oh, un atome. Ça c'est donné, c'est cool. La vie peut-être? Non. Ça me l'augmente? Non, il me semble que oui. Voilà. Ok, bon, c'était juste un atome que je n'étais juste pas allé voir. Vive les commentaires, c'est génial. Bon, et du coup... et du coup, je ne peux pas activer l'électricité d'ici. Bon. C'est là? Ah non, ça c'est l'ascenseur. D'accord. Mais du coup... Du coup... Tac. On rétablit. Ah, est-ce qu'il y aurait un temps limité? Oh, ce serait possible, ça voudrait dire que... Oh la vache. Bon, bah dans ce cas, on va se grouiller. Ils sont plus là, les démons magiques de la mort qui tue qui réapparaissent à chaque fois, c'est cool. Il doit y avoir un temps limité. Ils doivent aussi servir à timer, en fait, les monstres. C'est sans doute pour ça qu'ils sont là. Ce serait pas mal s'il y a du temps. Hein, ça... Par contre, c'est hors de question que, ça me... que je rage à cause de ça. Voilà. C'est pas un simple interrupteur qui va me faire rager, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Tac. Tac. Bah, aujourd'hui, il y aura absolument pas eu de combat. Enfin, si, mais des petits monstres, quoi. Donc, juste rien. On explore un bâtiment qui semble être peut-être un hôpital. Ça marche vite. On se grouille. On se bouge les fesses. Voilà. Et on sonne l'ascenseur. Parfait. Et là, je suis bloquée entre deux étages. Mais du coup, aujourd'hui, ça aurait été exploration du bâtiment. Aucune idée de ce que c'est. J'avoue que là, par contre, j'en ai strictement aucune idée. C'est par là qu'on doit aller. Faut juste pas tomber. Pas de problème. Hop. Voilà. Il y a un atome juste ici. C'est bon. On pourrait avoir de la vie un peu. Ah, merci. Merci le jeu. Merci Konami. Et j'en suis au moins troisième. Très bien. Hop. Par là, par contre, il y a un Clédos, mais il faut faire le tour. Je vais faire le tour. J'arrive, jeune Clédos. Attends-moi, s'il te plaît. Voilà. Parce que, en fait, j'en ai jamais fait des défis comme ça. Mais ça doit bien servir à quelque chose quelque part, donc ok, bon bah tu vas attendre gentiment avec les dos, hein, et puis moi je viendrai te chercher une prochaine fois, voilà. Allez-y. En plus, regardez-moi ça, là-haut il y a au moins un truc, et ce truc c'est un atome. Et là-bas il y a un clé d'os. Ça me dégoûte un peu de les laisser, mais on va avancer dans l'histoire. Bon, je te jure, toute la vie a traversé pour un vaccin. C'est pas cool. Des zombies de partout. Salut. Hein? Ouais, salut. Les gardes de nos jours. Access granted. Salut, c'est pour le vaccin. Ah bah enfin, bouge pas. Et voilà. Ça pique un peu quand même. Ça t'empêchera de te transformer en masse mutagène difforme. BM. Dans la salle d'à côté, pour le PX41. Ouais, merci. Hein. Naïf. The antidote. Wow. Ok, attends. Pourquoi ça... Pourquoi il y a un clic-clic qui s'est... Ok, bon. Donc, il y a un scientifique qui s'est fait injecter un truc. On ne sait pas ce que c'est encore. Je dois sans doute passer en aura quelque part. Il doit y avoir une entrée, voilà, toute bête comme celle-ci. Je dois prendre le contrôle d'un des trucs, je pense. Sans doute pas du...
du Golgoth, mais d'un scientifique. Ils vont arriver, ils vont popper tous, je pense. Mais du coup, voilà. Donc, on est déjà à 35 minutes pour moi, donc à peu près 35 minutes. Donc, je vais devoir vous laisser là. Vous laissez là pour la prochaine fois. Donc voilà. Bon, n'oubliez pas le petit pouce vert si vous avez aimé cet épisode, etc. Même si j'avoue qu'il n'était pas forcément, c'était pas forcément le plus intéressant du monde. Bref. N'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas de vous abonner non plus pour ne rien rater pour tout ce qui s'ensuit, etc. Et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, les amis. Allez, tchuss. Get the best of me.